Salut pour ça, c'est Paulo et bienvenue sur Super Mario Maker. C'est le moment de jouer au niveau fait par les gens du monde entier. Let's go! Alors nous sommes dans la section des meilleurs niveaux du moment, dans le mode expert. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est jouer à plusieurs niveaux intéressants comme Run, Run, Run! On va voir ça! Rocky 2, 4, 8 des États-Unis, merci d'avoir partagé ton niveau avec les amis. What the... Ah! Pendant un instant, j'ai comme, mais qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi j'ai sauté jusqu'ici? What the fuck? My bad, boys! On va se reprendre tout de suite, toi! Okay, comme ça? Ah, je comprends pourquoi c'est run, run, run. Il faut toujours taper sur ces trucs-là, boy. Wouhouhou! Oh, oh, oh! Qui m'a pas, boy? Je croyais que... J'étais tellement déconcentré parce que je croyais que la game était terminée. Je croyais qu'il y avait un maudit piège qui m'a fait chier dans le cul. Mais non, ce n'est pas ça du tout. My bad. Yo, sorry, boys. Je savais pas, j'étais tellement déconcentré. À la fin, j'ai comme abandonné, mais. Comme ça? Hein? Ok! Ok, c'est bon, on peut y aller. Wouh! Run, Pepito, man! Ok, je croyais que ça, ça allait être une partie super difficile, mais non, c'est correct. Tranquille, relax. Ah, à gauche! J'étais en train d'aller vers la droite. Ok, pas pire! Il y avait un tuyau qui t'amène jusqu'à la fin, really? Ça veut dire que quelqu'un a terminé le niveau, quoi, 2 secondes? Je crois que quelqu'un a terminé le niveau de 10 secondes, what the fuck. Mais c'était un niveau quand même assez bien fait, mais... J'aurais bien voulu avoir un peu plus de challenge. Ok, non, personne n'a terminé le niveau plus rapidement. Ben, comme super rapidement, ça a quand même pris 47 secondes pour la personne la plus rapide à terminer ce niveau. Ok, c'est bon. Et puis, il y a un nom bizarre, le bonhomme qui a terminé ce niveau. Regardez en bas à gauche, il s'appelle JNLP et toi... J'arrive pas à le dire, désolé. Je vais pas torcher son nom, je suis vraiment désolé. Dungeon of Despair. Ok, ça, c'est un speedrun. On va quand même le faire, let's go! Il y a quand même beaucoup de gens qui ont joué à ça. 2,20% de réussite. On va tenter de le faire en moins de... En moins de 4 minutes. Ouais, ça prend 40 secondes à le faire, mais on va le faire en moins de 4 minutes. Let's do this! Ah! Ok. Oh, Peach, please, non! Wouhouhou! J'ai foiré beaucoup là, mais c'est pas si grave que ça. On va voir encore ensemble les niveaux. Toutou. Ok, cette partie, ça servait quasiment à rien, voyons donc. J'ai avancé trop vite, man! J'ai tendance à appuyer sur le bouton droite. Oupsi. À longueur de journée, sans m'arrêter dans ce genre de niveau. Cette fois-ci, il fallait pas le faire. J'avais vu des petites lignes qui me disaient non, Polo, ne. Oups. Non, Polo, ne faut pas faire ça, mais à la fin, j'ai complètement foiré mon coup, les boys. Wouh! Cette fois-ci, ne fais pas la même erreur. Hein. Je me suis suicidé parce qu'à la fin, je me suis dit, Polo, ça sert à rien de continuer. Tu vas te faire foirer dans le cul. La première fois, ça s'est bien passé, et maintenant, ça se passe super mal. Gros problemo, amigo. Ok, voilà, voilà. Okay.
Pas pire. La partie inutile. Là, ça va être la partie la plus intéressante parce que je sais pas quoi faire. Oh my goodness. Vous n'êtes... What? Il me reste seulement 2 secondes. Comme le niveau se termine ici, bro. Ok, attendez. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais... Je crois qu'à la fin, il fallait que je saute, right? Ouais, il fallait que je saute. Le pire, c'est que j'ai tenté de sauter, mais j'ai sauté trop tard. Parce que, avec la musique, tu peux savoir quand tout va se terminer. Lorsque les blocs vont redevenir des pièces. On peut le savoir. Ok, ça, c'est stupide, man. Ok. Si je le réussis pas cette fois-ci, je saute par la fenêtre. Je parle de cette fois-ci. J'étais pas mort, alors ça compte pas. Je n'ai rien à dire. Je sais pas ce qui se passe. Pourquoi j'arrive pas à le faire? What the fuck? Ok, non. Je n'ai qu'une chance. C'est maintenant. Let's do this, boys. Et si je fais mon coup, je ne mange plus de pizza pendant 1 semaine. Et vous savez à quel point j'adore la pizza au fromage. Right? Vous savez à quel point j'adore la pizza au fromage, hein? J'ai plus mon casque. Je crois que je suis dans le caca. Plus de pizza au fromage pour toi, Apollo. Ok, si je meurs une autre fois. J'ai pas encore dit mon pari, alors ça compte pas. Si je meurs une autre fois, je mange plus de poutine. Ouf. Pour toute la vie. Ok, non, ça c'est inacceptable, man. Pour un Québécois, c'est inacceptable. Je suis pas encore mort, alors c'était Guidou. Je me cherche des excuses parce que j'ai pas envie d'abandonner la poutine. No way. Mais tout à l'heure, il restait seulement 2 secondes pour terminer le niveau, je comprends pas, man. Je suis en train de perdre mon temps sur ce niveau. Boy! Pourquoi je me suis arrêté? Non! Parce que je croyais que j'étais rendu dans... Dans cette partie là où il ne faut pas bouger. Oh non! Oh. Ok, à la fin ça donne la même chose. 1, 2. Ok. Il ne reste que 2 secondes à compléter le niveau. Si j'avais pas foiré mon coup à la dernière seconde tout à l'heure, j'aurais pu terminer le niveau plus rapidement. Et pas gaspiller 2-3 minutes de plus, voyons donc. Il fait chaud, hein. Il faut s'hydrater dans la vie. Ma chère Sasa, merci d'avoir partagé ton niveau. Laissez-moi être honnête avec vous, j'avais même pas vu les piranhas. Et comme vous pouvez le voir, une tonne de personnes n'ont même pas vu ces piranhas non plus. Oh shit, boy! J'ai essayé de mettre le truc sur ma tête, ça n'a pas marché. What the fuck? Oh non! J'ai même pas perdu une seule seconde, non?
Oh, the fuck? Yo, ok, ok. J'ai essayé de courir à fond sans m'arrêter afin de ne pas perdre une seule seconde, mais ça n'a même pas marché. Ok, comme ça. Je crois que ça marche. Mon doux Jésus, man. Smooth, smooth, smoothie! Woo! Mario time, les boys. C'est bon. Woo! Ça a bien marché mon coup, oui. Alors, je sais pas, on va voir quel genre de niveau on va compléter maintenant, hein. J'ai complété combien de niveaux depuis le début de la vidéo? Autour de 3, je pense. 2 minimum. Mais je crois que j'en ai complété 3. Attendez. 1, 2, 3. Ouais, 3. Alright. Ok. 5X. Attends. 5 Koopa Jumps X3. What the fuck is that shit? Mais bon, beaucoup de gens jouent à ce niveau, mais seulement 4,43% des personnes l'ont terminé. On va essayer de monter ce pourcentage. Merci. Diddle, je sais pas comment prononcer son nom, des États-Unis, mon frère. Et what the fuck, bro? Ah! Ok, ce genre de truc! I know what the fuck we have to do. Something like this, boys! Donne-moi une vie, boy! Thank you! Vous pouvez me taper les fesses virtuellement si vous voulez parce que je le mérite. Ah, ok, je suis obligé de le faire en fin de compte. Oh my god. Ah, cette personne a utilisé la technique des développeurs de jeux pour prolonger la durée de vie de son niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Plein de développeurs de jeux font des trucs comme ça, genre, tu repasses toujours dans le même endroit, etc. Juste pour pouvoir, genre, prolonger la durée de vie du jeu. Oh, t'as une quête à faire dans cet endroit? Oh ben, reviens 2 heures plus tard parce que t'en as une autre quête là-bas et ça continue comme ça, vous voyez ce que je veux dire, genre. Voilà, pardon. Ok, c'est bon, on va faire en sorte qu'on complète un autre niveau en moins de 2 minutes. Ouais, voilà. Maintenant, je comprends pourquoi un X3 là. Au début, je croyais que c'était un emoticon, si vous voyez ce que je veux dire. Genre, quelqu'un qui a les yeux en X avec un gros sourire là pour le numéro 3. Et quand... Comme ça là. Si vous tournez la tête vers la gauche là, vous allez le voir là. En tout cas, je sais pas. Okay. Je veux un niveau qui a l'air super intéressant. Ça a l'air d'être un speedrun, man. 5,22% de réussite. Ok, mais on va tenter le coup. Peut-être c'est pas un speedrun. Peut-être que ce n'est pas un speedrun. Faut jamais juger un niveau par son thumbnail. Si je peux dire ça comme ça. Ok. Oups. Je sais pas si je dois le prendre. Des fois, je me demande vraiment ce que je suis en train de faire. Ok, attendez. Ok, ce n'était pas une erreur. Mais là, je sens qu'il faut faire ça aussi. Alright. J'avais eu peur parce que... Complètement bien que les monstres respawnent, damn son. Là, j'avais eu peur parce que j'avais vu plein de sous avec un truc d'un canon. J'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Je voulais observer la situation, essayer de comme prendre un peu plus de temps, quoi, un petit 5 secondes pour voir ce qui se passe, comme dans ma tête. Et à la fin, je me suis fait fourrer dans le cul par un piranha. Mais what the hell?
T'as pas le droit de rentrer dans cette porte, Polo, hein. Qu'est-ce que... Ah! C'était juste ça? Really, bro? C'était juste ça, moi qui avais peur pour rien, what the fuck? Ok, là, il faut que je tape ça, hein. Ah, ok, je vois. Faut que j'amène un canapasso, taper ce petit bloc, et ça va être tigidouto. Comme ça. Damn, je me suis fait massacrer la gueule, oui, ça doit faire mal. Oh, ok, ouais. Parabip. Ok, je vais prendre Pipito. Maltino, Maltinez, vous pouvez partir en vacances. Ah ah, ok, il faut que je joue à cache-cache. Ah, lui il va crever. Checkpoint. Ah, j'ai essayé de me dépêcher. Mais bon, c'est plus le fun quand on reste petit. Il y a plus de piquant dans la vie si on fait ça. Je sais pas s'il fallait. Ok, ok, il fallait vraiment juste péter les blocs comme ça. Okay. Et des fois, je sais pas si je dois les prendre ou quoi que ce soit là, mais. Ok. Oh, baby boy! Et là, il faut faire ça rapido presto. Right. Wouh! Il est tombé à sa mort! Bowser est tellement méchant, il est en train de dire à ce mec-là de faire un kamikaze dans la lave, voyons donc! Bowser, pourquoi tu traites tes mignons de cette façon, man? Yo, je joue tellement lentement parce que je sais vraiment pas ce qui se passe. Oh. Croyez-vous? Mon petit tabarnak! Non! Ah, je suis obligé! Ok, je suis obligé de prendre ça et l'utiliser. My bad! Comme je vous ai dit, restez petit! Ça donne du piquant dans la vie! Parce que on peut pas faire n'importe quoi, voyons donc. Quand on est obligé. Okay. Je suis un petit peu heureux. Je sais pas pourquoi je suis en train de tenir mon chapeau lorsque je m'accroupis. Genre, que si je suis un petit bébé qui a peur des pantons, voyez. C'est drôle, non? Puisque je suis déjà grand, pourquoi pas prendre la fleur, hein? Et je suis quasiment sûr à 100% que j'en aurai besoin. Ok. Ok, c'était pas un troll. Ok. Oh. Ça marche pas? Ok! Ah! Ok, fallait rentrer dans le tuyau! Je suis rentré dans la porte pour rien! Ouh! Ce n'est pas si grave. On est let's go. Oh, y a plus de discordance, c'est déjà terminé. Wouhou! Non! Non! Merci bon Dieu qu'il y avait une étoile ici.
Alors les amis, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Donc si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, surtout vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!